Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à Factorio. On reprend où on s'était arrêté la dernière fois. Hop, entre-temps, moi, donc, j'ai fini de relier toutes les lignes qui venaient des stations jusqu'au bus. J'ai fait tourner un peu, histoire que le réseau soit à peu près stable et à peu près complet. Bon, voilà, il manque 2-3 trucs à droite à gauche, mais ça va. Le cuivre a l'air de pas être content du tout, par contre. Parce que là... Ça doit être chaud, non, même pas en plus. Bon. Les circuits verts sont un peu en galère, ouais, les circuits verts tombent beaucoup, donc les circuits verts doivent être pas mal en galère au niveau du cuivre. C'est ça qui doit jouer. Et le fait de tirer les circuits bleus, ça tire une quantité astronomique de circuits verts. Enfin bref, donc voilà, là on a tout fait, donc vous voyez qu'on a un beau gros bus bien vénère. Voilà, j'ai laissé un peu de place ici, donc l'idée ça va être que ici on peut se laisser. C'est de se laisser un peu de place pour pouvoir faire passer 2-3 lignes si jamais il y a besoin. Typiquement, ce qu'on va faire, c'est que par exemple, des trucs sont produits à plusieurs endroits, genre les moteurs, on va les mettre sur une ligne histoire d'être tranquille. Ici, on va avoir les lignes, une ligne de chaque, donc pour les différentes sciences. Et après, je me suis fait un petit runway pour bien démarquer le truc avec quelques roboports, histoire de, au début, avoir la construction assez facile. Donc voilà, normalement on est prêt à commencer. Et donc comme je vous disais, voilà, j'ai mis un petit peu à jour ce truc-là, où juste la seule différence, c'est que là j'ai laissé la production de moteur pour qu'on voit un peu ce qui se passe. Et donc il faut qu'on produise à peu près un peu moins d'une belle, d'un convoyeur de moteur. Donc on va se faire vite fait ça en speed. Mais bon, ça va être assez basique, c'est juste une question de d'usines on va avoir besoin. Hop, ah oui non, là je suis par minute, ça pas du tout. Hop, toc, voilà. Donc on va avoir 40 usines. Donc la question c'est plus, est-ce qu'on fait une ou deux en longueur? Parce que, hop, si on regarde ici, la plupart ça tourne autour des 20, 20, 25. Il y en a un peu plus. Bon, là, les contrôle unit, ça on fera beaucoup de blocs, c'est pas grave. Mais on voit qu'il y a jusqu'à du 30, donc à la limite on peut se dire que jusqu'à 30 on reste sur une seule longueur. Ouais, à partir dessus. Mais là il faut 40, donc on va faire 2. Voilà, tout ça pour ça. Donc, pour ce faire, bah déjà on va commencer par délimiter un peu. Hop. Les. Dont on peut avoir besoin. Hop, on va se laisser un poil de marge, voilà. Kill. Et donc, il va nous falloir produire du moteur. Pour ce qui est du moteur. Hop, non, pas un cran. Ok. Je ne sais même pas si on pourra en mettre plusieurs. Hop, on va aller chercher des modules d'ailleurs, comme ça sera plus pratique. Hop, on va faire revenir aussi le train, des fois qu'il soit. Ouais, il a fait un tour. On va le faire revenir pour bien remplir les coffres à balle, histoire d'être tranquille. Hop, on va se prendre une couche de ça. Ouf, là, on peut en mettre beaucoup plus que ça. Allons. Hop, j'imagine que le bleu c'est pareil, oui, allez hop. Voilà. Et les balises, on va mettre deux rangées, comme ça on sera très très bien stocké. Ok, donc, on disait, on veut du moteur, et on veut globalement une vingtaine par truc, et à chaque fois il faut produire des tuyaux. Donc on va avoir à chaque fois besoin d'un truc qui produit du tuyau au début, pour chaque bloc. Hop, on va dupliquer ça. Comme ça. Hop, et après on va avoir besoin de à nouveau ça. Voilà. Maintenant la question c'est plus comment on place les. Donc à la limite pour ce qui est du tuyau, on va dire qu'on peut amener une bête comme ça. Une comme ça. Voilà. Hop, bon, on pourra le retirer maintenant, c'était juste pour l'exemple. Pour être sûr que je sois bien aligné. Hop. Et en tout, donc on va consommer combien? Hop. On rajoute ça. Voilà. Ah, on a quand même besoin de plus d'une belt de fer juste pour ça. Ok. Soit. Casse-toi. Hop. Il est où le fer? Je sais déjà plus. Il est tout au début, forcément. Hop.
Ok. Tartiner comme ça pour pas se mouiller, voilà. Peut-être se faire un truc pour pas se déplacer quand même sur les. Là pour l'instant j'ai fait de la place pour les biters. On va pas s'embêter, tant pis, on va sacrifier un truc. Hop. Par contre j'ai pas eu toute place dans mon inventaire, c'est un peu le bazar. Hop, te dégage. Bien rigueur, toi aussi. Hop, on va vite fait se faire. Où est-ce qu'il est? J'utilise tellement jamais que je ne sais plus quelle tête il a. Je vais pas rechercher du tout. Et pourtant. On sent. Ah, d'accord, en fait, c'est l'icône qui a complètement changé. Ok. T'es pas grave. Yep, en habitude, j'aime pas le mettre parce que ça prend de la place plus utile dans l'armure. Mais bon, vu que là, on fait plus trop de guéguerre. Au biter, c'est pas la fin du monde si on enlève une batterie par exemple. Hop. Pour mettre ça. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, on peut reprendre. Ok. Donc là on a dit que de toute façon on consommait plus qu'un convoyeur juste pour ça. Donc on pourra carrément en enlever un en fait. Hop. Forcément, on a foutu le bazar. J'aurais dû m'arrêter beaucoup plus tôt. Pff, ça s'en fiche. Hop. Main. Je nettoie après. Hein. Hop. Donc là, il suffit de remettre tout ce monde-là dans le bon sens. Voilà. Hop, hop. Non, il était déjà bon. Ok. Donc voilà, là on a le début de notre production. Donc maintenant, la question c'est comment on organise tout ce petit monde? Pour être tranquille, bon déjà pif, on va virer un peu tout ça. Main. Main. Fait un peu de ménage. Donc, on disait, maintenant, pour produire nos moteurs, ce qu'il nous manque, ça va être donc. On peut se faire, globalement, c'est les trois en équivalent, donc c'est pas très très grave la quantité. Ça va peut-être être plus simple de juste faire passer ça. Un peu plus de place. Hop. Toc, on va reprendre ça là. Bon, je sais pas si j'ai besoin de deux, mais j'en mets deux juste pour le délire. Hop. Voilà. Là, à chaque fois, on va faire passer ça comme ça, et ça va. Oui, on va avoir besoin de ça. Voilà. Hop, hop. Donne une idée. Et à chaque fois, ici, on va chercher les deux autres. Et j'ai oublié d'ailleurs de mettre les. On peut pas, tant pis. Hop. Ok. Donc ça me semble pas trop mal. Normalement, ça devrait faire le taf. Hop. Je vais finir les convoyeurs avant
de tout copier-coller comme un gros débile. Voilà. Ok. Ça, avec un peu de chance, ça devrait faire pas mal le taf. Hop. Est-ce que je peux avoir un branchement, un poteau, s'il vous plaît? Non, a priori, pas le droit. Moche, mais bon, tant pis. Hop. Ok. Donc là, déjà, voilà, on produit nos trucs. Et donc là, on veut en mettre. C'était combien? Il va nous falloir 40 trucs en tout, donc 20 ici. Donc on est parti pour en mettre pas mal. On va déjà grenader un peu tout ça histoire d'être tranquille. Hop. Ok, donc, bah allons-y. Hein. Donc c'est ça qu'on veut copier. Voilà. Ah. Ok, vraiment. Je dois regarder si je peux louper des trucs, mais visiblement si. Oui, si, là j'ai fait n'importe quoi. Hop. On va plutôt prendre comme cela. Voilà. Là, comme ça. Ok. Là, on est mieux. Bon, on voit plus rien. Quelques lumières. Histoire de dire. Hop. Voilà. Donc, là on a combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Hop, 4, 14, 16, 18, 20. Hop, hop. Et au final, je suis même pas sûr que ça serve à grand chose. Il touche le coin, oui, ça a l'air. Hop, il y a cet arbre. Et on va grenader un peu pour la deuxième rangée tout de suite, comme ça on sera tranquille. Ok. Avec un peu de chance, on est bon là. Il va juste nous manquer un peu de courant, visiblement. Et à la limite, on va aller. On va remettre une petite pour la route. Voilà. Hop. Sauf que ça, ça va juste comme ça. Et on est bon. Finalement, on peut en mettre un petit. Et celui-là, non. Ok. Bon, bah, je crois qu'on a notre design. Là. Donc, bah, je vous propose qu'on m'envoie directement. Donc, il nous manque l'acier et. Et engrenage. Je propose qu'on amène ça déjà pour voir si ça, ça marche. Là, donc on aurait acier comme ça. Et non, les engrenages, ils sont... Ah, ils sont beaucoup plus hauts, les engrenages. Hop, je passe à côté, je les ai même pas vus. Hop. Bordel, forcément, les structures faible densité, ça prend beaucoup de place. J'ai des boutons explosifs sur moi, je ne sais pas. Hein.
Hop. Ça, on peut enlever. Ok, donc on disait ça, ça va là, et donc il faut engrenage d'abord. Toc. Et ensuite l'acier. Tartiner comme ça, histoire de dire. Hop. Ok, donc là on a déjà un demi truc à nous. Il faut juste remettre ça dans le bon sens. Ok, on est parti. Et donc ça, bah, on a dit que de toute façon, ça allait pas aller jusque-là. Hop. Voilà, on va se faire notre petit truc de moteur ici tranquillement. Hop. À la rigueur, vu que on peut potentiellement 2, 4, 6, 8, 10, par là, on va dire. Hop, on va changer de côté. Voilà pour la route. Et ça a l'air de tourner. Donc, ce qu'on va faire, c'est que bah déjà, pif, grosse copie, cambo 1. Voilà. Hop, ici, on va. Remettre un petit coup d'alim. Ok. Donc là, normalement, on devrait être pas mal. Et on a visiblement rien qui alimente tout ça. Voilà. Et là, ceux-là ne sont pas alimentés. C'est un problème. Même s'il devrait l'être depuis l'autre côté, mais bon. Dans le doute. Ok, donc là on peut redescendre ça tranquille. Comme ça. Ça fait là, ça, je ne sais pas. Là, c'est juste que j'ai changé un peu l'orientation. Bon, ça c'est pas très grave. Hop, et donc là, à la rigueur, ce qu'on peut dire, c'est que. Toc. Toc. Bon, pas du tout. Faire ça dans ce sens-là, ce sera beaucoup plus simple. Hop, voilà. Ça, on a notre production de moteur. On va amener tout ce qui peut manquer, c'est-à-dire. Ça. Forcément. Hop, hop. Place comme on peut. Ah non. Train de foutre un bazar monstrueux. Allez, mets-toi. Allez, reste tranquille. Hop, et donc ça, on va vouloir. Faire un truc dans ce goût-là.
Hop. Ça passe tout pile ici. Il reste encore une petite structure faible densité. Hop. Voilà. Hop. On n'est pas obligé d'en mettre tout le long, hein, mais c'est juste pour par souci de d'uniformité. Hop, on va dire qu'on va en mettre partout, histoire de dire. Et ça sera très bien. Ok. Bon, donc voilà, normalement là on est bon. Tout a été placé, a priori. Oui. On va faire un petit double check quand même là pour être bien sûr, mais normalement. On n'y est pas du tout, super. J'ai bien pu glander. Ah, il n'y a pas encore les modules de vitesse là-haut. Ça joue peut-être pas mal. On a déjà consommé tous les modules qu'on avait en stock. On va aller rappeler le train parce que là, ça va être la fin du monde sinon. Et puis de toute façon, si on est à chaque fois obligé d'attendre les modules, je pense qu'on va pas avoir le choix que de faire confiance à l'outil et de croiser les doigts pour que tout se passe bien. Hop, non, bah, tiens, viens là en fait. Hop. Parce que sinon, ça va être vraiment la dèche. Je peux regarder un peu niveau config, où est-ce qu'on est. Ah oui, donc déjà là, il voulait des modules ici, mais ça limite pas très grave. 12, 1, 2, 3, 4. Non, en fait, voilà, on n'a pas 12, c'est ça qui fout le bazar. Ok, bon, on a trouvé. Pas 12, mais 8. Non, 10. Faut que je refasse donc pour que ça prenne en compte. Ok, donc on a un peu augmenté, mais c'est pas très grave. Hein. Donc 1, 2, 3, 4. Non, ça n'a que 4 oui, de beacon. Ouais. Donc, hop, on recommence. Alors, je sais pas si c'est le nombre de beacons. Ouais, donc c'est vraiment le nombre de balises elles-mêmes. Donc, pas de modules. On est bon. Ok. Là, ce qui pue, c'est qu'il est en train de nous dire qu'il faut plus que 2. Il en faut 4 maintenant. Et ça, c'est pas top. Voilà, c'est le premier gros loupé. Bon, de toute façon, il fallait bien s'attendre à ce qu'il y en ait, hein. Pas rêver non plus. Hop. On va conserver juste un bloc comme ça. Histoire d'être tranquille. Hop. Et on va pouvoir casser gentiment tout ce petit monde. Tac. Et tac. Voilà. Ensuite, bon bah donc là, il faut forcément remettre un autre truc ici. Et donc la question c'est comment j'amène du fer à celui-là. Le faire passer ici au pire. Hop. Voilà. Et ensuite, on peut reprendre où on en était. Hop. Voilà. On a réparé le problème. Tout va bien. Pas de soucis. Donc maintenant on en est à 30 et 30 en gros, globalement. À la méga louche. Donc 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16. Donc là, entre ces deux-là, on peut faire le rebalançage. 16, 18, 20, 22, 24, 28 et 30. Moins 1. Hop. Celle-là, oui. Eh bien. Ok. Hop. Et hop. Et on va pouvoir repartir sans souci. À part que là, il manque un peu d'alimentation, mais bon. Ah, je vais recopier un. Une longueur de balise là, ça va pas du tout. Hop. Et visiblement, on n'a pas assez de construction pour aller non plus bien comme il faut. Voilà. Ok, donc cette fois-ci, on va peut-être avoir ça suffisamment d'usines. Je cherche mes aéroports, voilà. Hop. Voilà. Là, avec un peu de chance, on devrait être pas mal. Bon, on va juste falloir corriger toutes les nombres de balises à chaque fois ici, parce que sinon, ça va être la fin du monde. Bon, je ferai ça au fur et à mesure, pas de panique. Et on remettra en cause un peu notre compte de machine max, hein, parce que je sais pas au final jusqu'à où ça va nous amener. Hop. Visiblement, on manque un petit peu de courant pour finir là. Hop. Donc voilà. Ok, bon, là on devrait avoir à peu près ce qu'il faut. Cette fois-ci, on devrait avoir notre convoyeur qui marche bien. Donc voilà, au final, on n'aura fait que les moteurs aujourd'hui. Bon, c'est un peu. Un peu limité, mais bon, c'était déjà un bon boulot. On va, de toute façon, la prochaine fois, je renettoierai tout ça. Et on pourra commencer bah, tranquillement. Bah, de toute façon, les premières sciences, ça va aller assez vite. Hein, bleu, vert et rouge, ça va servir bien. Et au fur et à mesure, bah, on avancera dans la liste. Hein, de toute façon, on va y aller tranquillement, comme il se doit. Donc voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!